Bonjour, bonjour. Permettez-moi aujourd'hui de vous parler d'un sujet un peu plus grave, beaucoup plus grave que d'habitude, à savoir le consentement, sous-entendu sexuel, hein, la culture du viol et les fantasmes par rapport à la réalité. Parce que je trouve consternant qu'aujourd'hui encore, enfin, qu'aujourd'hui surtout, des auteurs, confirmés ou non, écrivent de la romance sur fond de viol, de mariage forcé, d'enlèvement et autres comportements vachement chelous en fait. Je ne comprends pas que ces personnes écrivent du viol romancé et surtout ces gens contribuent à rendre ces attitudes tendance. Voilà. Je vous épargnerai le refrain 50 Shades hein, qu'on a dû vous servir et vous resservir. Et j'espère pour vous qui m'écoutez que vous avez conscience, que vous comprenez pourquoi cette trilogie pose problème hein, et combien à quel point elle conchit sur le consentement et autres. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet. Le consentement, donc. Petite parenthèse sur la culture du viol. Cette expression qui désigne la manière dont une société, à une époque donnée, se représente le viol. Alors, le viol n'est pas une fonction innée chez l'être humain, mais un comportement dit culturel, à savoir que c'est la façon dont on le perçoit qui le rend ainsi tel que nous le connaissons. Maintenant, on voit mieux en quoi le terme culture prend ici tout son sens. En effet, le dictionnaire la définit comme, je cite, un ensemble des éléments distinguant une société ou un groupe social d'une autre société, d'un autre groupe social. Plusieurs points alimentent la culture du viol, de la littérature de bas étage romançant les agressions sexuelles, parlons de ce que l'on connaît le mieux, tant qu'à faire, à une attitude ayant tendance à culpabiliser la victime, lui demander si elle ne portait pas une tenue attrayante, ne rendra service à personne. Et d'une certaine manière, la gent masculine, qui est la plus représentée comme agresseur, je le rappelle, en pâtit aussi, puisque cela sous-entend que l'homme est assoiffé de sexe et se jette sur la première personne, en mini-jupe par exemple, qu'il croise. Or, souvenez-vous, on parle de culture du viol, pas d'hormones du viol. Dire que les violeurs ont des pulsions qui les assouvissent, c'est nourrir cette culture qui ne reflète pas la réalité. Tout à l'heure, quand je parlais de littérature de bas étage, je pesais mes mots, car une mode a définitivement pris ses marques dans la romance. Et oui, le syndrome de Stockholm à la cote. Mariage forcé, séquestration, abus sexuels, le tout saupoudré d'une victime qui trouve des circonstances atténuantes à son agresseur, qui se victimise donc d'une certaine manière. Et qu'elle soit quiche ou non, ne justifie absolument pas le geste, le propos. Quant au lecteur, lectrice qui considère un baiser forcé comme romantique, vous savez, il s'en va, je le retiens, il a dit non, enfin il dit non, je lui roule une pelle quand même. J'aimerais vous y voir franchement dans la même situation. Après, on en reparlera. Maintenant, on peut y aller. La culture du viol est faite de mythes, d'habitudes. Comme quand on dit à une amie de ne pas rester trop tard seule le soir et de faire attention à son verre. Bon nombre de mécanismes se déclenchent sur ce principe, de la même façon qu'on ne demandera pas à un homme de ne rien verser dans le verre des femmes. Celles concernées, effectivement, veilleront à ne pas s'habiller trop court ni trop décolletées. Sur le même registre, elles diront non lorsqu'une proposition ne leur conviendra pas. Ceci n'a rien à voir avec le féminisme, on mêle trop souvent les deux. Ça s'appelle le consentement. D'ailleurs, je parle de proposition qui ne convient pas, mais bien souvent, la proposition en question a plutôt des airs d'obligation. C'est néanmoins grâce au mouvement féministe que notre société prend conscience des inégalités. Du moins, je l'espère pour nous. Nous tous. Et j'en profite pour préciser que le consentement doit exister dans les deux sens, d'homme à femme, de femme à homme, d'homme à homme et de femme à femme.
Le véritable problème n'est pas d'écrire une scène de viol, de harcèlement, d'abus, mais de la faire passer pour un moment incontournable dans une relation. Surtout pas avec la nana qui finit par en redemander ou le mec qui dédramatise, aussi bien en tant qu'agresseur que victime d'ailleurs. C'est encore moins un passage obligé de la romance, alors qu'on arrête une bonne fois pour toutes avec le viol romantisé. Je ne sais pas si ça se dit romantisé, mais qu'on arrête. Il existe aussi tout un tas de comportements qui tendent à banaliser le viol. Du vampire qui hypnotise sa proie pour obtenir ses faveurs, à l'héroïne qui a trop bu. C'est un comportement à risque, tu comprends? En passant par la victime qui a osé ressentir du plaisir. Sauf qu'un corps qui trahit, entre guillemets, ça arrive. Et ce n'est pas synonyme de trop chouette, remettons le couvert. Dans le cas d'une relation de confiance aussi, il peut y avoir des abus. Je rappelle que le devoir conjugal n'est absolument pas un devoir, bon sang. Quand une personne se met en retrait dans un contexte de rapport de force, physique ou non, hein, rappelons que le pervers narcissique n'a absolument pas besoin d'avoir recours à la violence physique pour arriver à ses fins, ben, il y a un truc qui cloche. Ce n'est pas normal. Connaître l'autre ne fait pas du consentement un acquis. Idem pour les pratiques sexuelles. En accepter une, ce n'est pas les accepter toutes. Et les pseudo-romances érotiques ont tendance à l'oublier. Autre catégorie qui se fout royalement du consentement, bienvenue dans le monde merveilleux du yaoi. Relation entre hommes pour celles et ceux qui l'ignoreraient. Où le raccourci viol égale preuve d'amour est bien trop présent. Il faut savoir que le Japon est une société très patriarcale. La France aussi, hein, faut pas croire. Et l'érotisme japonais repose beaucoup sur l'humiliation, mais ceci ne légitime pas le comportement de certains personnages ni la représentation faussée du viol. Pour finir, en tant qu'auteur et le livre étant l'un des médias de la culture, je ne comprends toujours pas que certains écrivains passent à côté d'un truc aussi important que le consentement. C'est pour coller à l'effet de mode? Parce que ça marche? Ou parce que vous ne vous rendez pas compte? Ok, mais l'éditeur là-dedans, le monde de l'édition entier n'est pas aveugle sur le sujet, bordel de merde. On impute souvent l'écriture de ce genre de texte, plus rarement leur publication. Je croyais, naïvement, qu'un auteur et son éditeur travaillent main dans la main pour l'intérêt de chacun. Eh bien, parfois, il serait dans l'intérêt de tous d'oublier certaines romances au fond d'un tiroir. Franchement, pensez-y. J'espère que tout mon blabla vous aura éclairé, si ce n'était déjà fait, sur l'importance du consentement et surtout sur le manquement de certains auteurs et de certains éditeurs par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qui malheureusement est trop souvent négligé en littérature et ailleurs. Je parle de la littérature parce que c'est un domaine que je connais, c'est un domaine dans lequel je travaille. Donc, ça me paraissait logique d'aborder ce domaine-là. Mais il n'y a pas que dans la littérature, il faut pas croire. Surtout si j'ai dit des bêtises, parce que on n'est pas infaillible, hein. Donc, surtout si j'ai dit des bêtises, ben, n'hésitez pas à me les signaler. Je me chargerai de réparer tout ça. En attendant, on se retrouve ben, sur le blog et sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'il y a un article en lien avec cette vidéo, comme d'habitude. Le lien est en barre de description. Donc rendez-vous sur le blog pour ça. Et puis, pour la suite, ben, portez-vous bien et je vous souhaite de très belles écritures.